Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous présenter tous mes produits connectés que j'utilise régulièrement depuis que j'ai déménagé. Des produits qui vous simplifient la vie, qui vous font gagner du temps et qui font plutôt bien leur travail. Alors souvenez-vous, durant mon déménagement, on avait volé mon aspirateur robot. Et ça m'avait un petit peu gêné, car étant un gros fainéant au niveau du ménage, et je pense que je ne suis pas le seul, j'aurais bien aimé l'utiliser dans mon nouveau chez moi, sachant que c'est bien plus grand. Et j'ai LG qui ont été très gentils et qui m'ont envoyé leur HomeBot Square Turbo Plus. Alors s'il vous plaît, ne me jugez pas par rapport à mes chaussettes. Ce sont des chaussettes Star Wars. Et ouais. Alors au début, je me suis dit, ouais, ça doit être un aspirateur comme les autres. Il fait le ménage et puis c'est tout. Et en fait, non, je me suis bien trompé. Quand j'ai connecté la première fois avec l'application d'LG, eh bien, j'ai été très surpris par la quantité de fonctionnalités. Et il y en a notamment une qui est très sympathique. Cet aspirateur, s'il vous plaît, fait également office de caméra de surveillance. Donc du coup, il est équipé de 2 caméras. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, même en Chine, juste en vous connectant sur le téléphone, vous avez la possibilité de voir à distance si tout se passe bien chez vous. Et encore, hein, je ne vous ai pas tout montré. Genre par exemple, vous avez un mode qui s'appelle Home Guard qui permet, lorsque vous allez l'activer, eh bien, dès que l'aspirateur va détecter des mouvements, bim, il va faire 5 photos qui vont vous être envoyées directement sur votre téléphone pour vous alerter. Et encore le truc encore plus stylé, les amis, c'est que vous pouvez le télécommander à distance. C'est juste énorme. Donc soit vous le voyez comme un jouet ou plutôt comme une caméra de surveillance que vous pouvez déplacer un peu n'importe où. L'idée est vraiment excellente. Après, avec l'application, vous pouvez bien sûr démarrer le démarrage à distance. Vous avez plusieurs fonctionnalités, donc du coup HomeGuard que je vous ai parlé juste avant. Vous avez aussi plein d'informations, d'historique sur les derniers nettoyages que vous avez fait. Vous pouvez suspendre le nettoyage, le faire diriger directement sur la station d'accueil ou encore bien sûr afficher du coup, hop là, la caméra de surveillance. Information importante, on peut aussi l'utiliser sans application, il est complètement autonome, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton hop là start, le démarrage va commencer et dès que l'aspirateur n'a plus de batterie, il va tout simplement revenir automatiquement sur son socle de chargement qui est juste ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'autonomie, on peut nettoyer jusqu'à 150 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal. Et quand l'aspirateur a fini son nettoyage, hop là, on appuie dessus. Et là, on a tout simplement le compartiment, on a toutes les cochonneries qu'on va vider directement dans la poubelle. Alors ok, on a des fonctionnalités plutôt cool. On peut même l'utiliser comme serpillière, mais est-ce qu'il fait bien son travail? Alors globalement, au niveau du nettoyage, j'en suis plutôt content. Mais je tiens quand même à vous dire deux choses quand même très importantes. Et ce sont des problèmes qu'on retrouve pour la majorité des robots aspirateurs. Déjà, premièrement, il a du mal à détecter les meubles fins, comme par exemple les chaises ou les pieds de table. Et donc du coup, ça arrive qu'il fasse des choses un petit peu cheloues, genre foncer dessus. Heureusement, je n'ai eu aucun accident, mais je tiens quand même à vous le dire. Et l'autre chose, c'est cacher bien tous vos câbles en dessous des meubles, notamment le meuble télé, parce que cet aspirateur aime bien s'en mêler avec. On reste sur de l'électroménager avec cette fois-ci une machine à laver connectée, la Twin Wash. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que avant, pour tout ce qui est nettoyage, ça se passait directement chez mes parents. Là, c'est donc ma première machine à laver et je ne commence pas avec n'importe quoi puisqu'en réalité, j'ai 2 lave-linges. Donc en haut, on a le plus gros et en bas, le plus petit. La question que vous allez sans doute vous poser, c'est à quoi ça sert d'en avoir 2? Je ne vais pas vous mentir, actuellement, j'ai surtout utilisé la grosse. Mais en réalité, avoir les 2, c'est pas mal, surtout pour les grandes familles. Déjà, par exemple, on peut lancer 2 machines à la fois. Pas besoin d'attendre que la première machine est terminée pour en faire une deuxième. Et aussi, ça peut être intéressant pour séparer le linge, par exemple, des couleurs ou par rapport à certaines catégories. Le t-shirt en bas, le jeans en haut, par exemple. Comme l'aspirateur, ces 2 lave-linges se contrôlent avec l'application d'LG, hein, SmartThink. Donc du coup, dans l'application, on a la possibilité de télécharger différents programmes de nettoyage qu'on pourra envoyer directement sur la machine à laver. On peut choisir le type de programme qu'on souhaite lancer. On peut ensuite démarrer la machine à distance, voir à distance si tout se passe bien.
Et puis pour finir, on a un historique justement de tous les derniers nettoyages qu'on a pu faire afin de connaître par exemple sa consommation d'eau ou encore sa consommation d'électricité. Alors tout ça c'est cool, mais je tiens quand même à vous préciser certaines informations, même si ça me paraît logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application ne peut pas marcher si la machine n'est pas allumée. Ensuite, il faut, avant d'utiliser l'application, hop là, ouvrir, mettre son linge sale dedans, puis fermer. Ensuite, on met le produit nettoyant. Activer sur l'écran démarrage à distance. Et puis là, ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'application. On choisit notre programme. Donc là, du coup, je vais choisir quoi comme type de programme? On va prendre un rapide. Et puis là, je peux démarrer le lavage. Tout simplement. On va dire que la fonction connectée est très pratique pour les personnes qui bougent un petit peu partout, hors de chez soi, et qui veulent voir à distance si le nettoyage se passe bien. Le reste, le choix de programme et tout, c'est pas forcément très pratique de l'avoir sur l'application, puisque voilà, on a un écran qui est tactile, qui marche tout aussi bien. Moi, ce que j'apprécie beaucoup sur cette machine, c'est qu'elle est silencieuse. Elle est également économe en énergie et également au niveau de l'eau. Et on a un petit mode qui permet de pouvoir rajouter du linge qu'on a oublié, même si la machine a déjà été lancée. Et le truc encore plus cool que j'adore sur cette machine, c'est ça. Avouez que c'est marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premiers produits que je vous ai présentés sont normalement compatibles avec Google Home. Mais pour l'instant, que aux États-Unis, pas en France. Du coup, j'ai hâte qu'il y ait une mise à jour de compatibilité en français, parce que là, ça va être de la bombe. Et justement, le produit connecté que j'utilise le plus souvent, c'est une sorte de Google Home. Alors là, c'est la Tic Home Mini que je vous avais déjà présentée, mais ça fait toujours du bien d'en reparler. C'est tout simplement une enceinte sans fil que vous pouvez donc transporter n'importe où et qui est donc équipée de Google Assistant. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais bientôt la remplacer par une autre enceinte bien plus puissante et avec une meilleure qualité de son. J'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, celle-ci est intéressante puisque par rapport à ses concurrents, elle est vraiment pas cher. On est sur du 85€, ce qui est vraiment très correct pour ce type de produit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà, elle délivre un son en 360 degrés afin de pouvoir diffuser le son partout dans la pièce. On a une certification IPX6. Si par exemple vous voulez l'utiliser dans la douche, eh bien c'est possible. En plus de cela, elle est plutôt jolie, hein, vous avez plusieurs coloris. Et on a une bonne batterie, ça tient 6 heures. Alors de mon côté, j'ai pas beaucoup de produits connectés compatible, mais j'ai hâte de pouvoir contrôler mon aspirateur à distance, de pouvoir aussi contrôler mon thermostat à distance, juste en disant « Ok Google, fais-moi ceci, fais-moi cela ». Excusez-moi, je ne comprends pas. C'est normal. De mon côté, je l'utilise que avec des lumières connectées qui viennent de chez Xiaomi, les Yeelight, et franchement, j'en suis super satisfait. Niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment très très bons. Ok Google, allume les lumières. Ok Google, mets en vert lampe droite. Très bien, je change la couleur pour la lumière lampe droite sur vert. Du coup, j'ai deux types de lumières. La première, c'est les LED qui sont tout simplement fixés, collés à l'arrière de chaque bureau, mais également derrière les gros blocs de Lego. Je les ai mis en forme de U, tout simplement. Donc du coup, il y a deux LED. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fusionnant les deux couleurs au milieu, ça fait un effet assez cool. Et ensuite, nous avons les ampoules. Et il n'y a rien de compliqué. Il suffit tout simplement de les visser dans la lampe et le tour est joué. Il n'y a pas besoin de se travailler avec un système Wi-Fi à côté. Le système Wi-Fi est intégré directement dans l'ampoule. Et c'est ça que j'adore dans ce genre de produit. C'est que ça marche très bien et c'est simple. Pour les lumières LED, c'est un petit peu différent. Déjà, on a un câble d'alimentation à brancher et on a ce petit boîtier qui fait office de bouton power pour allumer et éteindre la lumière et également de système Wi-Fi. Ok Google, mets en vert canapé droit. Ok, je change la couleur pour la lumière canapé droit sur vert. Avouez que c'est kiffant. Et on finit, les amis, avec un autre produit, pas forcément connecté, mais qui sort vraiment de l'ordinaire. En plus, ce sont des Français qui se sont lancés là-dedans. Ça se nomme Dodo. Et en fait, ça sert à quoi? Ça permet tout simplement de dormir plus facilement et plus rapidement. Comment ça marche? Vous avez du mal à dormir. Hop là, vous appuyez dessus. Vous avez une petite lumière bleue qui va s'allumer. Et en gros, en regardant d'un petit peu plus près, on remarque que la luminosité augmente et baisse. En gros, c'est des pulsations lumineuses. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que avec notre respiration,
respiration, il faut se synchroniser par rapport aux pulsations. Et en faisant attention à la lumière bleue qui va se projeter sur le plafond, et en respirant tranquillement, eh bien, on va tout simplement être un peu en quelque sorte zen et on va pouvoir dormir plus facilement et plus rapidement. De mon côté, j'ai pas forcément des problèmes de sommeil. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, en le testant, j'ai bien l'impression que ça marche. Eh bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par certains produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous invite à aller dans la description, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !